Top, c'est parti. Chelsea finalise l'arrivée de Enzo Fernandez. Donc c'est fini. Le meilleur Enzo de la Coupe du Monde, champion du monde, Enzo Fernandez, ancien joueur de Benfica, de River Plate, signe chez les Blues de Chelsea. Ça, c'est une très belle recrue. C'est pour l'avenir. Hein. Todd Boehly a sorti beaucoup d'argent. L'Olfa Fomorti, les sommes dépensées. 374,5 millions d'euros pour l'instant, dépensées par les Blues de Chelsea. Todd Boehly, l'Américain, a marqué son empreinte sur la scène internationale avec un mercato de ouf. Donc Enzo Hernandez demna Folletti, Enzo Fernandez demna Chelsea. Milan Skriniar sera un joueur du PSG à l'été prochain. Du nouveau hiver, il va connaître la saison avec l'Inter. Après, il va signer au mois de juin-juillet. Donc Skriniar, l'international slovène, sera un nouveau joueur du PSG. Donc Ramos, moi, vous connaissez mon nom, pas Skriniar et Ramos. Donc comme Angleterre, Pompiter, Ramos, Magetna, mon nom, Alnas Folletti, Cristiano Ronaldo. Donc Savitzer, Marcel Savitzer, quittez-le. Donc l'Autrichien, l'international autrichien, donc Bayern, Monaco, Manchester United, donc pour les 6 prochains mois. Donc Moises Caicedo, le jeune équatorien, 20 ans, donc ne va pas quitter Brighton. Donc deal off, c'est fini, donc il ne va pas signer à Arsenal ni à Chelsea. Il va rester du côté de Brighton jusqu'à la fin de la saison. Jorginho, Enzo Fernandez, Jorginho, donc Jorginho est un nouveau joueur d'Arsenal. Il va entrer dans la rotation de Mikel Arteta. Donc, João Cancelo, il a été prêté chez les Bavarois de Sadio Mané. Prêt avec option d'achat à l'intérieur. Cancelo, un très bon renfort pour le donc, FC donc, Bayern de Munich. Dans la même foulée, donc, Pavard va probablement signer du côté du FC Barcelone parce que Koundé, donc, Araujo, ce ne sont pas des latéraux de formation. Alors, Pavard, même si défenseur central, mais il est beaucoup plus à l'aise au poste de latéral droit. Donc, il va probablement signer du côté du Bayern, donc du FC Barcelone. Donc, Bellerin, d'équité, Bellerin va signer du côté du Sporting Portugal. Donc, il y a Pedro Porro, joueur du Sporting Portugal, portugais, donc va signer du côté de Tottenham. Donc, Vitinha, Demandaouna, Yuhunogopson, Vitinha, Nyono, Vitinha, Nyono. Sanchez a fait beaucoup de sacrifices, mais l'international portugais, Vitinha, va venir donc renforcer l'attaque de l'Olympique de Marseille. Donc, il a été acheté en 26 pour 30 millions d'euros. Une belle recrue pour les Français, donc pour les Français de donc Pablo Longoria. Donc ils ont aussi Dusan Vlahovic, il s'est proposé au Real Madrid, mais Real Madrid non. Vlahovic donc vous voulez quitter Juve d'un projet Real, Real n'a pas bah non. On n'a pas besoin d'un attaquant supplémentaire. L'international serbe va rester à la Juve. Donc, ils ont aussi Pati Sis, formation sénégalaise. Donc accord amené entre OL et Rayo Vallecano, 6 millions d'euros. Six a déjà dans son accord. Donc Pati Sis sera un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc comme ça n'importe qui d'une grande mise en évidence avec le championnat de France.